Je crois que je suis victime d'une malédiction. C'est du vaudou. Hein? Tu veux un rituel de purification? Ça va, tu te sens comme... S'il te plaît, non, te moque pas, ça me fait pas rire. Hier, il y a une bonne fée déguisée en barman qui m'a jeté un sort, ou un genre d'envoûtement. D'envoûtement? Je te jure, aujourd'hui, c'est la deuxième fois d'affilée que c'est Noël. Tu vois ce que je veux dire? Non, je t'avoue que ça n'a aucun sens. Écoute-moi. Hier, c'était le réveillon, et aujourd'hui, c'est le réveillon. Et c'est aussi ton anniversaire, mais je t'en prie, cette année, ne joue pas les martyrs, mon amour. Non, je joue pas les martyrs, c'est très sérieux. Bref, je voulais parler de quelques trucs avec toi. Mes parents veulent que tu viennes au repas des restes demain, même s'ils savent que tu ne viens jamais, mais tu es invité, tu as toujours ta place. C'est une blague? Non, les restes, c'est non. Ton père me déteste, papa, et tu sais très bien... Mes parents t'ont... Quoi? Non, j'ai pas le temps, pas maintenant, mon grand. Papa! Mon lapin, je t'en prie, aide-moi, s'il te plaît. Non, écoute, Chewie, j'ai déjà deux enfants, j'en veux pas un troisième. Et pour tes problèmes d'anniversaire, fais une thérapie. Justement, hier, c'était mon anniversaire, et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est une... une fée ou... une espèce d'homme bonne fée qui m'a jeté une malédiction. Papa, regarde! Oui. Oh oui, c'est super, c'est incroyable, mon grand. Chewie. Ok, bon, chérie, c'est le dessin le plus beau que t'aies jamais fait. C'est une création spectaculaire, c'est merveilleux. Et tu as mis tout plein de couleurs. C'est une vraie merveille, bravo. Quoi? Ok, oui, je me sens pas très bien. Pardon, champion. Mon lapin, pardon. Je vais aller à la pharmacie et je rentre juste ouais, après. Ouais, c'est une bonne idée. Et surtout, n'oublie pas les cadeaux. Regarde, maman. J'aime beaucoup.